Et alors là, je vois conférence de presse. Et là, il y a une sensation que j'avais pas eue depuis le collège. C'était quand tu fais une blague, hein, une deuxième, hein, la troisième, elle fait pleurer la prof principale. T'es convoqué chez le directeur, tu fais la quatrième blague de trop, tu sais. Et le directeur pleure. Et là, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, c'est le directeur de l'école. Il me convoque dans son bureau. Il enlève ses lunettes, il me dit « Non, cette fois-ci, c'est trop. Tu vas virer du collège, conseil de classe. » Bon, ça tombe bien parce que son parti, c'est... Son parti, il n'y a que des profs dedans, t'sais. Un mythique de Jean-Luc Mélenchon, c'est un conseil de classe, en fait. T'sais. On dirait que les mecs, à chaque fois, ils se disent on va contacter le Guinness Book des records, on va faire le plus gros conseil de classe de l'histoire. Avec des profs dans tous les sens, putain. Et alors, je vois ça. Je vois sa conférence de presse. Complètement, enfin, le truc Hollywood, quoi. Même Bollywood, vu les têtes, tu vois.